Progressivement, le rond-point est dégagé pour laisser un libre accès à la raffinerie. Un peu plus tôt, les gendarmes étaient intervenus pour déloger les gilets jaunes. À 200 mètres de là, le premier rond-point de l'Espinasse est occupé depuis maintenant 3 semaines. Les gilets jaunes font partie du paysage. Des riverains solidaires leur apportent de quoi se ravitailler. Énormément de gens, des boulangers, des bouchers, des charcutiers, des supermarchés également. Il faut absolument les soutenir, qu'ils aient de quoi tenir le mouvement au maximum. Dans cette cuisine de fortune, chacun peut trouver du réconfort. Le froid, la pluie, il faut que quand même on se soutienne et puis un peu de chaleur quand même entre nous je pense qu'il n'y a rien de tel, quoi. Malgré les violences du week-end, ces gilets jaunes ne désarment pas. Selon eux, la rigidité du gouvernement ne peut que faire empirer la situation. Plus c'est rigide d'un côté, plus ça va loin de l'autre côté. On va dire, c'est mécanique. Hein. Moi, je dis que l'État doit écouter les gens. Cette violence, elle est le fruit des conditions de vie qu'on nous impose depuis... On peut remonter loin, il y en a qui disent 40 ans. Un mouvement qui ne faiblit pas et qui engrange chaque jour davantage de soutien. Eh ben, j'arrête de travailler pour venir ici. Là, entre midi et deux, j'arrête et après je repars. Tant qu'on se fera rouler dans la farine, il faut qu'ils tiennent le coup et il faudrait que nous aussi, on se mette avec. En attendant un geste fort du gouvernement, ces gilets jaunes ralentissent la circulation et les poids lourds en espérant ainsi impacter l'économie.